Pour ce rendez-vous particulier du dimanche. Le dimanche, le Seigneur rassemble ses disciples, c'est l'Église. Nous célébrons dans ces conditions particulières, unis, rassemblés, même si dans ce temps de confinement, nous sommes chacun dans notre maison. Entrez, prenez place pour recevoir la parole, prenez place pour être en communion, prenez place devant les portes du royaume des cieux qui ne peuvent que s'ouvrir. Nous sommes au 33e dimanche de notre année rythmée par l'évangile de Matthieu, 32e plutôt, et nous célébrons le Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Ouvrons la route de la rencontre du Christ, lui qui est source de vie, source d'amour, source d'espérance, et qu'il réveille notre foi trop souvent endormie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité, chemin d'unité, Christ élection, Christ élection. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur notre Dieu, dès notre baptême, tu nous as confié la lumière de la foi. Nous t'en prions, éloigne de nous les ténèbres et la nuit qui empêchent d'aimer. Tiens nos cœurs en éveil jusqu'à l'heure où viendra ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, en qui tu nous aimes, dans le feu de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle et la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Seigneur mon Dieu,
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de vous dire. Parole du Seigneur. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'en soupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc,
car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ne pas savoir, non pas sur des choses qu'on trouve sur Internet, mais ne pas savoir sur les événements de la vie, de notre vie, de la vie du monde. À quelques heures près, nous aurions pu dire cela pour le président des États-Unis d'Amérique. Nous pouvons le dire en tout cas pour le Conseil d'État en France qui, pour le moment, n'autorise pas la reprise des messes en public, tout en affirmant la liberté du culte. Il ne savait ni le jour ni l'heure, il n'y pensait pas un seul instant. Vincent, le sacristain de la basilique de Nice, ou Simone ou Nadine, fidèle, tragique, victime de l'attentat de la semaine dernière, qui restera longtemps sur nos mémoires. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais Jésus, tout d'abord, ajoute comme une invitation, presque un ordre, veillez, veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et justement, Jésus, ce dimanche, nous fait entrer dans une trilogie d'histoires dont nous entendrons les deux autres épisodes les dimanches qui viennent. Nous achèverons ainsi le cycle de nos liturgies, accompagné cette année par l'évangéliste Matthieu. Veillez, veillez, mais attention, ne cherchons pas dans la parabole des 10 jeunes filles une image catégorielle pour savoir si est-ce que j'en fais partie ou non, je suis de quel camp, de quel côté. Heureusement, par exemple, que ces jours derniers, le ministre de la Santé en France a mis fin à ce qui se cherche parfois et ce qu'on voulait faire pour le confinement selon les catégories de personnes. Les femmes enceintes, les personnes âgées, celles qui ont des pathologies chroniques. Et puis, quand on commence une liste comme ça, on ne s'arrête plus. Les jeunes, les noirs, ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui n'ont pas de travail. Mais attention, Jésus ne nous parle pas ici dans la parabole de nos façons de faire, souvent immédiates et relatives aux échanges commerciaux qui veulent diriger notre vie planétaire. Jésus nous parle du royaume des cieux, cet espace où la vie avec Dieu est première et entière. Le royaume des cieux, dit-il, sera comparable à 10 jeunes filles qui veille. Elle veille en veillant et guettant le visage souriant de la sagesse, selon ce que nous décrit cette page de notre première lecture de ce jour, un écrit que l'on date environ 50 ans avant la naissance de Jésus, quand les cultures, les civilisations se croisaient sans laisser trop de place à une stabilité politique qui mène à la paix et à la justice, peut-être mener à la paix et à la justice. Est-ce là notre mission de baptiser, de veiller comme ceux qui ont l'espérance de rencontrer le Christ vivant pour le bien de l'ensemble de notre humanité? Alors, est-ce que nous avons envie d'entrer avec l'époux dans la salle de noces dont on ne nous dit rien puisque la porte est refermée? Mais on peut imaginer, peut-être que si on prête l'oreille, on entendra la musique de la fête. Est-ce que nous avons assez d'huile dans nos lampes
pour avoir dès maintenant envie d'entrer dans cette fête. Les jours prochains, peut-être des semaines, nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous resterons en communion les uns avec les autres, communion avec la parole de Dieu, communion dans la prière, communion dans les liens que nous pouvons avoir avec les personnes seules. Veiller, oui, c'est une action permanente de veille dans laquelle nous sommes. Dans le désert et le silence, combien recherche-t-on secret ? Leur nuit résonne des louanges que ta parole fait monter. Béni sois-tu pour ces veilleurs dans la maison des baptisés. Trésor de paix, Dieu de Jésus-Christ, trésor de vie, source de joie, heureux celui qui te reçoit. Trésor caché, perle de grand prix. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité, et de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis. Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec lui. Voilà le credo de l'apôtre Paul que nous prolongeons en cet instant par la foi professée par toutes celles et tous ceux qui sont membres de l'Église. À Aulnay. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous avons écouté la parole de Dieu, qu'elle descende dans nos cœurs maintenant avec ces mots partagés dans l'ensemble de notre diocèse de Saint-Denis en France. Nous prions pour la grande famille humaine. Des hommes et des femmes dans les milieux scientifiques, s'efforcent de trouver un vaccin au coronavirus. Prions afin que leurs travaux aboutissent et qu'on veille tous à ce que ce vaccin soit à la portée de tout le monde, loin des spéculations mercantiles. Certaines personnes vivent une situation économique difficile. Prions afin qu'elles gardent courage et qu'elles trouvent autour d'elles le soutien concret pour contrer leurs difficultés. Seigneur,
personnes innocentes, ici et ailleurs, ont perdu la vie, victimes d'attaques terroristes sauvages et ignobles. Demandons au Seigneur, donateur de vie, qu'il les accueille dans son royaume et qu'il console, par nous et avec nous, toutes les familles endeuillées. Regarde, Père très bon, avec amour, nos existences souvent difficiles. Laisse monter vers toi nos prières et daigne les exaucer. Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, accepte ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous la nourriture qui nous maintiendra en éveil jusqu'à l'heure où il viendra, l'Époux, le Christ, ton Fils, notre frère, le vivant dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, avec la louange de nos lèvres. Béni sois-tu, Père des vivants, pour celui que tu nous as envoyé, le Christ Jésus, le Sauveur du monde. C'est lui qui éveille en nous le désir de voir toute l'humanité revenir auprès de toi. Il est l'Époux qui tarde à venir, le Fils de l'homme qui appelle à veiller. Il est la sagesse que nous cherchons et qui vient à notre rencontre. C'est pourquoi, remplis de cette confiance, nous invoquons ton nom, et nous voulons joindre nos voix à celle de l'archange qui donne le signal de la rencontre. Et nous chantons tous ensemble. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de nuit. Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Joséphine Sabre, née Gidélie, onésienne 94 ans, Solange Guillemotte, née Valab, onésienne de 95 ans, Odette Demontis, née Fauvel, onésienne de 84 ans, Gilbert Millet, onésien de 86 ans, Martine Lebouc, née d'Elboven, onésienne de 65 ans, Adèle Budzinski, Jean-Claude Cogès, Conrad de Souza, Fernand et Gabayert, Marc Edelin, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta présence auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, sur Priscilla Fernandez et son bébé Eva, nous implorons ta bonté et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Sulpice, Saint Denis, Saint Joseph, Saint Pierre et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ,
ton Fils bien-aimé. D'espérance. Nous demandons à être de celles et ceux qui agissent pour la venue du royaume des cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Si nous sommes des veilleurs de la rencontre du Christ et de l'humanité, alors il nous revient, nous aussi, de veiller et d'échanger entre nous un regard de paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Seigneur, tu nous as réconfortés par ta parole. Tu nous as réconfortés par cette communion à ton corps et à ton sang. Que ce repas nous donne la force d'être des veilleurs, des priants, jusqu'au jour où nous entrerons dans la fête de ton royaume. Gloire à toi qui nous veux auprès de toi et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre célébration de ce dimanche prend fin. Les réseaux sociaux, bien sûr, sont là pour les transmettre, pour transmettre les images et le partage de la parole, pour nous inviter à veiller et rester dans la prière. Peut-être que nous désirons nous procurer un missel des dimanches pour l'année 2021. Cela reste possible quand nous passons devant les secrétariats paroissiaux. Ils sont ouverts pour Saint-Joseph le mardi et le vendredi matin et pour Saint-Sulpice le mercredi et le samedi matin. Au mois d'octobre dernier, beaucoup d'enfants sur notre unité pastorale à Aulnay ont pu commencer à communier pour la première fois. Au mois de décembre, des lycéens et des adultes devraient recevoir le sacrement de la confirmation. Ils s'y préparent. Notre évêque est prêt à venir à Aulnay selon les conditions qui seront possibles à ce moment-là, mais dès le vendredi 20 novembre, en visioconférence, notre évêque rencontrera toutes celles et tous ceux qui se préparent depuis de longs mois à vivre le sacrement de confirmation. Les renseignements pour se connecter, bien sûr, seront transmis à chacune et chacun. Un bon dimanche à toutes et tous, et que la bénédiction du Seigneur que nous donnons maintenant revienne sur chacune et chacun d'entre vous, dans vos maisons et vos familles. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous tienne en sa bénédiction pure et sainte sous son regard. Amen. Amen. Qu'il répande sur vous sa grâce et qu'il vous instruise par sa parole de vérité. Amen. Amen. Qu'il vous forme par l'évangile du salut et qu'il rende vos cœurs plus riches d'amour fraternel. Amen. Amen. Et que dans sa bonté, il vous bénisse. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En veillant dans la foi, avec nos lampes à huile garnies de l'huile de l'espérance, de l'huile de la charité, allez dans la paix et la joie du Christ. Si nous avons téléchargé le document avec les paroles des chants, alors c'est le numéro 10 qui clôture notre célébration. Peuple du partage, peuple de frères.